Plus que jamais, pour la sécurité de l'Europe, les ministres des Affaires étrangères des 28 savent qu'ils doivent améliorer la coopération et agir rapidement. C'est la lutte contre le terrorisme qui les rassemble à Bruxelles ce lundi. La nouvelle chef de la diplomatie européenne explique ici que ce n'est pas un problème entre l'Europe, l'Occident et l'islam. Le terrorisme et les attaques terroristes touchent plus les musulmans dans le monde. Alors, poursuit Federica Mogherini, nous avons besoin d'une alliance, d'un dialogue pour faire face à ce problème ensemble et nous devons prendre l'entière responsabilité de ce que nous faisons et disons. Et je crois que le respect est l'une des valeurs de l'Union européenne. La priorité, coopérer en matière de renseignement pour lutter contre le trafic d'armes ou créer un registre commun des passagers aériens. Autre grand dossier abordé dans la journée, un dossier qui divise les relations avec la Russie. Plusieurs pays de l'Est sont partisans d'une grande sévérité, d'autres, notamment pour des raisons économiques, souhaitent la reprise du dialogue.